Je crois que c'est très en lien avec ce que tu disais, l'audace. C'est-à-dire qu'on vit dans une société dans laquelle on ne nous laisse pas la place de nous épanouir. Quelqu'un qui fait preuve d'audace, c'est quelqu'un qui va être une personne un peu spéciale, Ouais. un peu loufoque, un peu vulnérable, Marginal, ouais. marginale. Et on a tellement surtout peur qu'on nous critique, qu'on nous juge, qu'on nous repousse. On vit dans une société dans laquelle les gens ont un avis sur tout et sur tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et Je suis dès que d'accord. Bon, c'est un bon début. Mais l'idée, c'est qu'il existe des milliards de façons de réussir sa vie, des milliards. Mais D'accord. s'il existe une façon assurément de rater sa vie, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et quand on est dans une zone de confort, on veut plaire à tout le monde. On ne veut surtout pas décevoir son conjoint, sa conjointe, ses amis, la société, ses camarades. Et au bout d'un moment, il y a une journaliste qui m'avait demandé une fois, c'est quoi la définition du bonheur pour vous? Et je vous laisse une minute et je lui dis, ça va prendre une seconde. Et elle me dit, ah bon, c'est quoi? Progression. Si on n'a plus le sentiment de progresser dans son couple, dans son travail, Ouais. avec les autres, autour de cette table, ensemble, si on est ici, c'est pour progresser, c'est pour vivre des instants. Ouais. Mais à partir du moment où on ne progresse plus, on est vraiment dans une zone de confort.